sur DC Inc. avec Gillo et Jox, ça va être sympa. Retournez-vous, regardez le labo de chimie. Bon, là, il y a des cupcakes, mais... Non, c'est pas un labo chimie, c'est des cuisines. Oui, mais on dirait à l'école, tout aligné comme ça, avec des comptoirs et des robinets. Bah oui, parce qu'on devait faire... que c'est un cours de cuisine. Non, mais moi, c'était un labo de chimie. Alors, Jox, est-ce que tu as compris un peu le principe au début? Tu es transformé en civil, comme tu peux le constater. Tu vois en bas à gauche en quel civil tu es transformé. Le plus intéressant au début, ça va être d'aller faire les objectifs qu'on va voir sur la carte. Donc on a le voilà, on a différents... ABCD. Voilà. Le truc, c'est qu'il n'y a que 4 objectifs qui sont faisables dans cela, et sinon les autres seront des fakes en fait. On rentrera mais on n'aura rien à faire. Donc le but, ça va être de faire ces objectifs-là. Et pour ça, il faut souvent avoir une tenue soit de serviteur, enfin de serveur, voilà, soit une tenue carrément d'agent de sécurité. Donc ceux qui sont en bleu ou ceux qui sont en vert. Quand t'es en simple civil, bon bah tu peux pas trop rentrer dans ces pièces-là. Et du coup, le but au début, ça va être surtout de récolter Des intel. Voilà, l'intel, ouais, c'est ça. Putain, j'ai tout compris au jeu en fait. Donc ça, ça va être la première étape. On va aller petit à petit. Parce qu'en soi, il y a plein de petits trucs. Mais c'est normal que ça mette un peu de temps. Franchement, je me suis trompé de tout. Je fais chier, j'ai fait F au lieu de E. Franchement, au début, j'avoue que j'ai mis du temps à piger. Hein. Tu as aussi des capacités, mais pour le moment, t'en as pas beaucoup, je pense. Qui sont en 1-2-3. Tu dois avoir des trucs. Ouais, j'ai le ballon gonflable, là, et... Ouais, qui te permet... Et les jumelles. Voilà, bah les jumelles, ça va te permettre de pirater de loin et on te voit pas faire l'animation. Donc parfois, bah ça... Ah, voilà. Ça peut être pas mal, ça. Ouais, c'est juste que bah, si tu bouges pas, si tu le fais en bougeant pas, on verra que quelqu'un bouge pas, tu vois. Et il a quel perso? Il a la même que moi, pour qu'il puisse faire ça aussi. Non, non, ça c'est des trucs qu'on peut choisir, en fait. Tu sais, toi, t'as peut-être la... Vous devez faire mieux que ça. Ok. Toi, t'as peut-être, je sais pas, une tourelle ou je sais pas quoi. En tout cas, tu peux choisir et t'en débloques petit à petit. Tu prends celle que tu veux, en gros. C'est pas une question de personnage. Personnage, c'est que l'arme et les capacités. Pas les... comment on pourrait dire les armes en 2 et en 3, quoi. Bon, bah là, du coup, il y a déjà un objectif qui a été fait. Ah, on a 3 à faire, pas 4. Je disais des bêtises, j'ai un peu oublié. Le truc, c'est que de toute façon, ce qui compte à la fin, c'est d'avoir fait... c'est surtout d'avoir l'objet de se barrer avec. Mais faire les objectifs, ça permet de toute façon d'avoir de l'XP. Donc, c'est pas si mal. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je vois que t'es en bas. Est-ce qu'on n'irait pas faire, enfin, voir l'objectif, le C, pour voir s'il n'y a pas une borne de voûte à désactiver? T'es à côté. T'es vraiment pas loin, normalement. Des fois, quand on est très... Ah, putain, on me tire dessus! Ah, on t'a repéré. Ok. Alors, attends, on va... Sud-ouest, Lox. On peut aller te... En dessous, ouais. Sud-ouest. C'est juste que je cherche des escaliers pour ne pas descendre en sautant. En face de toi, à droite. Non, non, reviens en arrière. À droite. Ah oui. J'ai pas compris. Alors il y a plusieurs trucs. Des mouvements. Ouais, soit des fois ça peut être juste l'habitude. Des mouvements des joueurs. Ah mais il monte cet escalier. Ah celui-là il descend. Attends il est où? Ah il est là, putain. Et parfois ils ont peut-être aussi des trucs qui permettent de détecter. T'as des Ah ouais. Je sais pas quels sont les capacités de nouveaux persos ou d'autres trucs. Est-ce possible? Du coup, est-ce que tu les as vus? Est-ce que tu sais où ils sont? À quoi ils ressemblaient? Quelle était la couleur du slip? Il y avait un gros monsieur là, comme celui qui vient de te passer à côté, Lox. C'était lui? Non. Je le regarde. Et celui qui est à côté de toi là, est-ce que c'est lui? Eh, on dirait que c'est lui, hein. Je le suis. Je serais bien. Putain, je fais au lieu... Excuse-moi, je fais F au lieu de E. Réa-le, hein, je suis en train de suivre le monsieur. Ah mais je me trompe de touche. Fais chier, je fais trop de gens. Comment on tire? Comment on sort l'arme? Elle sort toute seule? Tu fais 1. Ah ok, ouais. Ou je crois que si tu cliques gauche, ça sort toute seule, peut-être. Ah putain! Voilà, tu es raise. Je peux être revie. Oui. Oh, ils sont 3! Oh, on arrive. Il y en a un qui est mort. T'es ouf. Ouais. Attends, oui, je te vois. Ok. Ah ça va, ils t'ont pas tiré dessus. Non, mais il faut que j'agisse normalement. Et les coffres à ouvrir, ça te donne des améliorations, Jox. Ok. Ah, c'est qui tire? Ok. 3 personnes. On va attendre qu'il se tue. C'est Jox qui tire, mais quel imbécile! Espèce de noob!
Il y en a une qui est dehors. Ah mais elle est descendue. Ouais. Vous l'attaquez dehors là? C'est bon. Prends la clé Lox. Ouais. Putain, je me trompe de touche, je fais F au lieu de E, c'est horrible. Je vais apprendre, hein. Oh. Il paraît que le partage est important. Ok. Mais bon, ils étaient trois, hein, donc là ils sont tous ensemble. Hein. Attention. Me fait buter. Il me reste 6 balles. J'ai pas du tout tiré. Oh, je me fais tirer par un... Alors les balles, t'as plusieurs endroits où récupérer. Et tu peux en racheter aussi dans des distributeurs. Donc c'est pas très très grave. J'ai plus de balles. Est-ce qu'il y a par terre, là ? Attendez, moi je suis obligée d'attendre d'être de nouveau sous couverture. Aidez-moi, elle est... c'est une femme. Hein. C'est une femme. Ok, j'arrive. Une femme normale, pas une verte. Ok. Grande, svelte. Allié à terre. Oh. C'est toujours la même femme c'est en femme de tenue d'affaires. Voilà, fait chier lui. Très généreux de ta part. Attends, j'arrive pas à te réanimer. Ah voilà, c'est eux. Merci. Réveillez-vous. Il paraît que le partage est important. Salut Mestriki, pardon, excusez-moi, je suis un peu concentré. Hop là, tu peux prendre tes améliorations merci. Au sol. Loot les trucs des gens ouais, là. Ouais, hésite pas à prendre ce que tu as pas déjà. Tu spams juste ce qu'il y a au sol. L'amélioration. Ah verte. Vous l'avez tué la dame, bien ouais, joué. Ouais, j'ai tué, ouais. Ah bah bien joué. Oh merci, on a peut-être tué une team. Ce n'est pas un endroit pour dormir. Ah il y a des balles, exactement où je suis si vous voulez. Il y a des balles. Moi je suis cool. Entrer là. Il y a rien mais on peut quand même entrer. Juste ici là il y a des balles. Jock si tu veux. Yes. Alors faites attention ça vous assoit aussi c'est chiant. Il y avait des balles. Oui il y avait des balles. J'ai pris désolé. On va retrouver. Ça à quoi les améliorations? Alors les améliorations. Ah ce sont des améliorations. Selon ce que mais ça il me saoule lui là. Ce que t'as sélectionné à la base puisqu'en fait au début. Dans le menu principal, tu peux choisir d'avoir différents types d'améliorations. Et en gros, au niveau 1, par exemple, ça va t'améliorer un petit peu la quantité d'insectes que tu peux porter. Ah oui, tu te fais follow par une garde de sécu. Non, faut pas tirer dessus. Faut attendre juste qu'elle retrouve sa... Ouais, va te cacher quelque part. Et du coup, en fait, à chaque niveau, ça va t'améliorer un petit truc. Donc c'est bien. Oh putain ! D'accord. J'ai vu là où je suis, il y a une méchante. Je suis... Ah oui, vu. Tu l'as vu? Ah je l'ai loupé, ouais. Je l'ai perdu. Elle est... Je pense dans le bureau, derrière le comptoir. Là, derrière toi. Merde. Dans ce bureau là? Ok, ouais je crois qu'elle vient d'avancer. C'est celle qui sort? Ah, faut avancer là. Je vais hausser. Hop là. Ah vous attaquez là? Ah putain je suis à terre. Elle m'a eu la garce. Ouais parce que j'ai vu quelqu'un se transformer devant moi, c'était trop tentant. Ah okay, merde, c'est qui c'était okay, du coup je la vois. Ah bah tu la vois. Oh, attention dans la pièce à côté de toi, il y en a une aussi. Donc elle va profiter de ça. Elle m'a charmé la bandit. Ouais. Va-t'en vite, tu vas te faire tirer dessus. Va-t'en vite, attention, tu te fais tirer dessus à côté de toi. Elle a plus de balles. Comment ça défaite? Comment ça défaite? Ah tu t'es tué. Ah. Je suis loin. En vrai on a éliminé du monde hein. Putain l'attention ouais, creeper horrible. Je hein. Crois. Et du coup ça joue en 3 contre 3 hein, c'est bien ça. Yes. Il y a 4 équipes je crois en général. 4 équipes de 3. Ah d'accord, c'est 4 équipes de 3, d'accord. Bah ça dépend en fait du lobby. Des fois on est que 3 contre 3 contre 3, des fois on a 5 équipes de 3. Enfin quand on jouait avant, il me semble que des fois on pouvait être beaucoup. Retourner au menu. Ok, bon ça va, j'ai eu... On a des points de maîtrise, des points de saison et des niveaux de compte maintenant. Ok, on n'avait pas ça avant. Ok. C'est sympa comme jeu.
Mais voilà, le but, bon là on était un peu en mode YOLO, mais le but c'est de faire des objectifs, puis à la fin des trois objectifs, tu as une salle spéciale qui va s'ouvrir, et là-dedans, il y a l'objet que tu dois voler avec lequel tu dois t'enfuir dans, ouais, dans les zones d'extraction. La fameuse mallette, je sais pas trop. C'est ça. Mais bon, bah c'est vrai que en soi, c'est pas toutes les games qui arrivent jusque-là, en général ça se tire un peu dessus avant quoi. Mais pas toujours, hein. Enfin en tout cas au début, ça dépendait vraiment. Ah bah ça enchaîne. Ça enchaîne en fait. Mais du coup, le nouveau perso, elle me donne pas envie. Moi, je vais garder l'arsène, mais il faut que je me rappelle comment on le joue. Oh, j'ai eu de l'XP, faudrait que je m'achète des trucs. Bah, je garde le même perso, hein, du coup. Oui, j'avais pris. Ah oui, du coup, toi, t'es tanky, t'as un shield, mais moi, j'oublie très souvent d'utiliser ma capacité, donc je comprends que tu oublies aussi. Ouais. Et après tu pourras, quand t'auras pex un peu avec, tu pourras avoir des trucs qui permettent d'améliorer soit ta capacité, soit ton arme, ou d'avoir même une capacité un peu différente en fait. Attends, y a un gars, c'est voilà. Un streamer, je vais aller voir. Ah oui, parce qu'il a mis... Oui d'accord, il met son... TTV. C'est Daros The Road, et je crois qu'il a... The Toad. Ah. Ça va streamac. En fait, il a... J'avoue. En fait, je ça l'ai va pas. Streamac en masse. On va streamac. Est-ce que j'ai des skins, moi? Ah oui, j'avais ça. Ah, oh, je vais mettre en rose, tiens, comme tout le monde. Et oh, du coup, la jauge, là, en dessous de ta barre de vie, c'est les améliorations que tu récupères, c'est ça? Alors, attends, j'essaie de... Voilà. Ouais, ça doit être ça. Attends. Je suis pas sûre. Je sais pas. Je suis pas sûre. Vu la tronche, non. Je crois que ça ressemble plutôt à... Peut-être à ta jauge de détection ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais je sais plus si elle était comme ça avant. Elle a dû changer un peu. Ouah, stylé. Elle est sexy, hein, cette dame léopard, là. Ouais, j'aime bien la dame veuve noire, là. Elle était avec sa peau bleue et sa robe noire. Oh, cool, on est... Ah non, moi, je regardais le léopard. J'aime bien cette map parce qu'on est sous l'eau, c'est beau. Oh waouh. Oh putain, mais je suis trop stylé en civil. Rien à foutre, je reste civil. J'avoue. Franchement, les persos sont assez stylés, ouais. Du coup, voilà. Là, on essaye juste de récolter de l'intel. Et voilà. En gros. Et il faut savoir que quand t'as une clé, c'est que pour toi, par exemple, pour ouvrir certaines portes, mais on peut s'ouvrir mutuellement une porte. Genre, voilà. Donc si tu peux pas ouvrir une porte mais que nous on peut, pas hésiter à demander plutôt que d'essayer d'accumuler de l'intel pour l'ouvrir. Est-ce que c'est risqué de courir en début de game? Non, enfin moi je cours pas mal, je cours pas en permanence mais je cours pas mal très honnêtement. C'est que quand tu... Ah, ou une carte. Putain, moi j'ai pas d'intel là, il va falloir que j'en récolte un peu. Quoi, c'est 10 le max, c'est ça? Ouais. Et après, bah typiquement, t'as des améliorations qui te permettent d'avoir plus d'intel, par exemple. Un maximum plus élevé. Oh là là! Pardon. Dis-le si on t'emmerde. Hein. Je peux jamais... aux extras. C'est quelqu'un qui a tiré. C'était près de chez toi, Jog, je crois. Alors... Vers quel objectif on va? On essaye quoi le... Attends tes ordres. Peut-être le D, non? Je suis près du A, mais le A, je crois que c'est vraiment toujours ici, ouais, un endroit où je on peut buter. Je suis à mi-distance entre le D et le entre le D et le... Bah écoute, écoutez, je le sens bien le D. C'est près de là où on a spawn. Donc ça veut dire qu'il y a des chances pour B, que quelqu'un personne... sur moi. Ah. B. B. Déguisé en bleu. Oh, elle est ressortie. J'ai pété un câble. Elle est ressortie, elle se dirige vers le E. Ok, j'ai même une deuxième équipe. Tu c'est veux pas combien, la même qui est à côté de moi. Tu veux combien du coup? Non, non, ils m'attaquent pas, ils m'ont pas vu, moi je les regarde. Ouais, ouais, j'attends les instructions, mais c'est sera donc pas dans bah, le E, il y a quelqu'un. Ils ont désactivé une borne de voûte. Oh punaise, ils désactivent très très vite. Hein.
Écoutez, si on va là où t'es, bah on risque de se faire shooter. Donc nous, on est au D, si tu veux, si tu veux venir, petit Gilo. Au D. J'ai quoi comme... Oh, j'ai pas assez dentelle. J'ai une carte verte, mais pas bleue. J'ai assez dentelle. Bah si tu veux bien ouvrir la porte. Ah, par contre, il faut qu'on soit en bleu. Faut qu'on soit en bleu pour rentrer. Or, cette tenue est pour le moins... inadaptée. Voilà. C'est même pas compliqué. Simplement... long. Jo. Bonjour. Faites. Ouais, bah je pirate un peu. En dessous de vous. Il n'y a pas de bornes de vous dans cette zone. Ah merde. Bon bah voilà. On est dans une zone où il n'y a rien en fait. Y a une carte bleue du coup. Ouais, bah moi voilà, y a quelqu'un sur E. Pour moi il y a eu quelqu'un sur B. Vous pouvez tenter C. Ouais. Pas con. On va sur C alors. Ou A. Tu préfères A? Bah je vois que tu vas vers A donc on va vers A. Bah j'essaie de prendre des nouvelles pour voir. J'aime trop des fois les musiques. C'est chiant cette touche Q là. Cette touche Q? Oh là c'est... Ah oh, putain je me fais tirer dessus direct comme ça. Ok. Et ok je me baladais, je me suis fait tirer dessus, je suis à terre. J'allais vers doucement. Le A. Ils ont dû me repérer, mais j'étais en bleu aussi et je courais un peu donc. Ah merde, putain, je suis à terre aussi. Ah ouais, mais je les voyais, ils étaient à plusieurs, ça ressemblait vraiment pas du tout à un groupe logique. Ils sont en train de vous looter. Oh, ouais, ça se tire de partout. Ah, t'as la femme en vert. Ouais, une dame. Une dame qui s'est transformée en homme. Non, une dame toujours. Deux dames. Ouais, en bah bleu. De toute façon, nous, on les voit. Mais ils sont trois là. Là, tu vas être seul contre trois. Ils vont attendre que tu raises. Ouais. Malheureusement, ça risque d'être un peu risqué. Ah, ils s'éloignent. Ça va le chat ? Il me regarde lui ? Ouais, ils sont toujours là-bas. Hein. Le mec en vert ? Ouais. Bien essayer de suivre, oui. Alors pour faire un petit résumé, c'est vrai que d'ici, j'ai joué un petit moment ouais. À sa sortie. En gros, elle part. Un jeu par équipe de 3, dans lequel on et va lui, se transformer contre, en pas, hein. Civil. Voilà, donc n'importe quel personnage lui, qu'on va suspect, ouais. PNJ qu'on va croiser. Pour nous infiltrer, le but ça va être de désactiver des bandes de voûte. Donc en gros, c'est juste aller sur un gros PC et appuyer sur un bouton, quoi. Pour pouvoir ouvrir une porte dans laquelle se trouve l'objet qu'on doit voler et avec lequel on doit s'en aller. Le truc c'est qu'on est plusieurs à essayer d'avoir 7 objets, il n'y en a qu'un, et les objectifs sont communs. Donc quand une équipe réussit un objectif, ça en fait un de moins à faire. Mais le truc c'est que ça fait un de moins qu'on n'a pas fait et ça nous fait moins d'XP si on le fait pas. Mais basiquement, ceux qui gagnent sont ceux qui ont l'objet à la fin, ou qui sont la dernière équipe en vie. Mais voilà, c'est ça l'objectif principal, ça va être surtout d'être la dernière équipe en vie et d'être la dernière équipe qui s'enfuit. Mais jusqu'au moment où on s'enfuit, on peut évidemment se faire repérer et tuer à de nombreuses occasions. Et chaque personnage a sa propre arme et ses propres capacités. Voilà en gros. Par contre, le mec, il est plus là. Hein. Enfin... on va essayer. Merci hein.
Ah, oh, merci. Prenez vos cartes. Mieux ouais. Crochetage de serrure. Ok, bon. Bon, on va aller vers la sortie parce que les mecs, il y a un moment, ouais. Ils vont agir, quoi. Et je vais mettre en perso classique parce que les persos bleus, de toute façon, ils sont trop focus, forcément, vu qu'on est... Premier. Vu que c'est les plus pratiques. Je me suis mise en un personnage un peu plus lambda. Merci beaucoup pour le raise. J'ai l'impression de passer ma vie dans ce genre d'événement. Ah, après-moi. Il est où le A là ? Je comprends pas. Le A il est en bas, mais il faut monter l'escalier pour redescendre. Comment ? Ah ok. Mais je pense qu'ils l'ont déjà testé. Et c'est ici l'entrée. Faire travailler quelqu'un d'autre à ah bon bah non, il n'y en a plus. Inacceptable. Il n'y a plus de bande de voûte. La bande de voûte a été désactivée. Il va falloir qu'on trouve la pièce machin là. Voûte ouverte. Voilà, la voûte. En face, sud. Ok. Je arrive. Éblouissant, comme d'hab. Bonsoir, pas de bol, bonsoir, Roitines. Clairement, on n'a rien à craindre avec tous ces gardes de sécurité. Là, il faut être en bonhomme blanc, là. Ouais, bah en fait, au moins en bleu, quoi. Je vais me faire engueuler, je vais me faire engueuler. Je suis pas en bleu. Ah mais il y a une bleue là. Oh mais attendez, il y a deux bleus qui arrivent si... Je me fais tirer dessus. Derrière moi. J'arrive. J'aurais buté une mais Putain. Putain, c'est un vigile normal mais qui m'a tué, sérieux. C'est une nana ou un monsieur tout maigre. Oh, je merde. Tiens sur la barrière, quoi. Putain, ça me saoule, quand je pose ma tourelle, j'arrive pas à sortir d'animation de posage de tourelle. J'avais fait exprès d'anticiper, mais je suis pas ici. Ouais, je suis retour au menu, je regarde vite fait si je peux améliorer mon perso. Je garde tout ça. Bien butin. Et Jox, pour savoir à quoi correspondent les améliorations, tu vas dans amélioration tactique. Et tu sauras typiquement l'amélioration blanche, et ben ça fait ça. Et tu peux changer en fait, c'est juste que je crois que tu peux pas avoir amélioré que le même truc à chaque stade d'amélioration. Je crois que t'es obligé d'avoir un truc différent. Mais typiquement, moi ça me fait tissu par balle le truc le mieux. Mais je devrais pas mettre un tissu par balle. J'ai un skin pour un perso que j'ai pas, très bien. Ouais, bah ouais, classique. Un classical. Pas compris comment ça marchait les améliorations tactiques. En fait, tu choisis à l'avance quelles seront les améliorations que tu trouveras. Donc c'est toi qui décides. Et ah en oui, fait, d'accord. C'est Lox la meilleure. Merci beaucoup. Bon, et en fait, chaque stade, bah voilà, l'amélioration blanche qui est la plus basique, ça te donne telle amélioration, mais c'est aussi une amélioration qui sera moins bien que la dorée. Mais la dorée est plus dure à avoir. Et en gros, tu peux pas faire améliorer que la même chose. Genre typiquement, tu veux améliorer, je sais pas, ta résistance aux balles, tu peux pas faire en sorte que toutes les améliorations soient augmenter ma résistance par balle. C'est qu'une seule parmi tout d'accord, ça. Okay. Donc faut que tu choisisses après, bah, si tu décides d'avoir une amélioration par balle très efficace en la mettant en doré, sachant que la dorée est quand même dure à avoir, ou si tu... Moi je l'ai mise par exemple en bleu, quand du coup l'amélioration bleue, bah ça me donne plus de santé par exemple, quoi. Très bon choix les munitions. Ouais, je pense que ce sera bien. Mais bon, c'est l'amélioration dorée. L'amélioration dorée, elle est dure à avoir. C'est le dernier stade. Mais bon, bah, l'amélioration dorée, typiquement, là, quand on fait un objectif, un des trois objectifs qu'on a fait au début, ça nous donne une amélioration dorée. Ensuite, Agen. J'avais du coup...
ça, oui, oui, j'ai une bonne cadence de tir. Je peux changer mon passif, je crois. Les attaques de mêlée, mais personne fait des attaques de mêlée dans ce jeu. Et expertise. L'arsen devient instantanément invisible. Ouais, je vais garder ça. Ok. C'est quoi la différence entre jeu 1, jeu 2, jeu 3, jeu 4? Ah ça, c'est votre meilleure décision de la journée. Dans les améliorations. Bah c'est ah, des c'est decks en fait. Ah ouais, d'accord. Si tu veux un deck en particulier, comme ça tu les prépares et j'imagine que selon le perso, c'est plus intéressant d'augmenter tel ou tel truc. Mais j'avoue que moi j'en ai fait qu'un. Je sais pas les autres, aucune idée de ce qu'il y a dedans. Il fallait que je fasse un autre truc. Je sais plus si c'était. Ah oui, les gadgets. Voilà, quand tu vas dans gadgets, t'en as un et deux. Et du coup, bah, si quand tu pexeras, t'en auras d'autres de débloquer. Et t'en as peut-être déjà un autre de débloquer, je sais plus. Et tu peux aussi choisir de les alterner. Si tu veux qu'en un, ce soit plutôt tel truc et en deux, ce soit tel truc. Même si j'avoue qu'au début, on les utilise pas beaucoup. Mais t'auras peut-être bientôt une tourelle. Et ça ah, si, j'ai la tourelle. Voilà, bon, tu peux la tester après si c'est chiant. Elle est bien, mais c'est juste qu'à chaque fois que je l'installe, moi je reste kiblo dans le menuing. Disons qu'elle risque d'être plus intéressant que le matelas gonflable. Un matelas gonflable, il y en a qui ont réussi à bien me faire chier avec, mais il les maîtrise tellement. Salut le bois. Le je bois à bois quand je bois. Voilà, et du coup, amplificateur d'XP x2 parce qu'on est en team. Attends, je peux le mettre? Voulez-vous utiliser l'amplificateur d'XP? Ah bah oui. Ah bah j'avais... Oh ! Du coup on a une heure d'amplification d'XP. Trop bien. J'espère que ça le fait pour toute la team. En tout cas, si vous êtes prêts, je go. Je go. Ouais. Hop là. Et parfois quand on trouvait... Quand on cherchait des parties, on se retrouvait toute seule dans un lobby. Du coup c'était moins dur. Et tu peux pas faire de partie privée? Non, quand je fais jouer, ça me propose rien. Juste, ça me propose de jouer, quoi. Ouais. De toute façon, on serait jamais assez pour faire des parties privées là-dessus. Bah, surtout que c'est basé sur le PVP, et forcément, si tu fais des parties privées... Oh, si, ce serait possible, en vrai. Après, bah, je pense qu'ils sont encore en train d'essayer de voir, mais si, les parties privées, ça me semble possible. Enfin, tu vois, tu... Ouais, 12, quoi. Quoi, c'est 4 équipes? Bah oui, mais en fait, les parties peuvent se lancer même si on est moins, parce qu'on a déjà été moins. Donc, en soi, ça D'accord, semble pas okay. obligatoire pour lancer une partie, tu vois. Genre, pour que le D'accord. lobby soit full, mais... Hop là, je déploie. J'ai déployé mon Larsen. Je déploie. Ah, tu déploies. Déploie toujours le même, hein. Alors, c'est quoi, ça? Ah oui, faut que je m'entraîne aussi à mettre la tourelle, parce que j'en peux plus. Alors, la tourelle, c'est 3. Hop, là, je la pose. Ça, merci, les gars. Là, je j'avais posé ma tourelle, en fait. Et là, c'est caméra. Ok, maintenant, il faut que je fasse ça. Ok. En fait, il faut que je change. Faut que je reprenne mon arme. Ok. Et ça, c'est toujours ça de loin. Je voulais tester la tourelle, ils me l'ont défoncé dès que je l'ai posé. Oui. Oui, parce qu'elle leur tire dessus automatiquement aussi. Ah. Ah bah j'ai pas le temps de tester la tourelle. Non allez, bon, tu verras, écoute. Mais bon, la tourelle, c'est vrai que c'est contextuel, quoi. Bon, comme tous ces outils là, mais disons que c'est pas très discret quand tu la poses au sol, donc t'as intérêt à le faire à un moment bien, quoi. Elle est trop stylée, elle. Opération Hartzell. Est-ce que du coup t'as réussi avec tes soucis de fluidité ou quoi? Ouais, ça a l'air d'être mieux. Oh là, c'est quoi ce perso là? Ah, j'ai une pub. Bah attends, comment ça se fait? Ah, même oui. Hop là. Je sais pas. On m'a envoyé un message en MP pour me le dire en tout cas. Ah ouais? Non, pas. Ouais. où va-t-on? On a Poucave, hein.
Partie en direction du A, mais... Fallait pas dire et... je parle pas d'un secret, je parle de... Offusquer quelqu'un et je... En tout cas, quel que soit ce que j'ai dit, c'était pas le but. Vu que je me rappelle pas trop ce que j'ai dit, donc bénéfice... Je crois qu'il y a quelqu'un devant moi. Ah oui, ça c'est clairement une personne, ça. Pour le moment... pour c'est le moment, early game, ouais, j'ai envie de la buter. C'est vrai ? Bah vas-y, tu tentes, au pire, je viens 13, hein. Jock, c'est pas dans le toit. Petite connasse, ah, il y en a un deuxième. Ah, mais ils sont deux, c'est une équipe entière. Bah, souvent, okay, oui, il y en a en vert. Oui, putain, ils sont. Alliés à terre. Ah, bon. Ah, c'est une équipe entière, ils s'étaient collés à moi en fait. Ah, ouais, ouais, moi je suis passé derrière. Votre allié demande de l'aide. Oui, bah, j'arrive. A été désactivé par un rival. Non, non. What? Merde, je tombe de touche. Santé critique. Oh. Oh. J'appuie sur absolument every button. Putain, elle m'a repéré. Je sais pas comment elle m'a repéré, hein. Ah si, parce qu'ils connaissent trop le jeu maintenant. Faut que je bouffe. Pas de la bouffe. Faut que je change de berceau aussi. Oh, mais vous avez vu ces godasses? Attendez, je vais récupérer la bouffe et je vais essayer de vous raise. C'est quoi Doun Doun? Pourquoi ça fait Doun Doun? Je sais pas. Ouais, ça tire. C'est souvent un pouvoir qu'ils utilisent. Oh, toute la vie qu'elle a là. Oh la vache. Je lui ai mis 3 chargeurs là. Oh le huc. Ça a été rapide. C'était rapide. Nouvel article débloqué, silence. Carte de collection de l'Arseigne. Oh, j'ai eu plein de trucs, hein. Par contre, j'ai eu plein de trucs, hein. Oh ouais, tout pourri. Oh, merci pour les félicitations. Tu peux rester à distance avec les jumelles. Oh putain, merci le bois, mais oui, c'est vrai. Oh, je l'ai pas fait. Merci, bah je le ferai. Merci, mais oui, on peut rester à distance avec les jumelles. Je suis stupide. Ah, c'est vrai? Mais oui, en plus, ah ouais, on nous l'avait déjà dit, je crois, la dernière fois, et j'ai oublié depuis. Oh, oh là là! Oh, je vais mettre cette carte. Retourner au menu là ou? Ouais. Là, je suis retournée au menu juste pour voir ce que j'avais gagné. Pardon. Oh bon, t'inquiète. Excusez-moi. T'inquiète. Attends. Progression d'agent. Ah oui, voilà, c'est dans la progression d'agent qu'on voit ce qu'on débloque. Une carte de visite. Un titre de maîtrise, c'est quoi un titre de maîtrise? Un gadget capteur au sol, ils enlèvent la couverture d'un joueur et... Ah, le bip bip, c'est un capteur au sol. Merci pour l'astuce. Ah, ça a l'air d'être bien complexe comme jeu, hein. C'est que j'ai l'impression que maintenant, en fait, il y a déjà des gens qui connaissent tellement le jeu, quoi. Genre, je marchais juste et je me fais repérer juste en marchant, quoi. Soit c'est leur pouvoir, soit effectivement, ils connaissent le jeu, ils connaissent les mouvements. Ils connaissent les parfaitement mouvements les mouvements des PNJ. Mmh. Du coup, compliqué, hein. Ouais. Tu peux faire ça aussi, Hertz. Fais point d'exclamation Homer. J'allais le faire, mais bon, il y a un coup de l'inde. Ok, bah je crois que j'ai... Ah oui, non, c'était là-dedans. Attendez, c'était où? Dans agent. Merde, ça le met à l'envers. Bon, bref. Ok. Mais il y a un cooldown d'une minute. De 3 minutes. Attends, mais par contre, il est pas dans le bon sens. Il doit pas être dans ce sens-là. Je vais le remettre dans le...
Je vais remettre dans le bon sens. Ah, je me déploie. Hein. Alors, comment ça marche ça? Facile. Horizontal. Voilà, là okay. Ça devrait être dans le bon sens. Et t'as aussi professionnel. C'est point d'exclamation pro. Et je réfléchis en rajouter d'autres. C'est swagué du cul. Ah, merci. C'est que pour les subs. Voilà, petit privilège. Personne fortune. La toile, faut être sur caméra et ensuite changer pour l'arme. J'ai compris. Bon, ça a pas marché du coup. Ok. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh ça on savait. Mortian. Il y a Dumouti dans le chat. Yo Dumouti. Lox. Non hein. Pardon, allô j'étais mute. Hello Dumouti, j'ai dit. Mais du coup ça a niqué l'effet. Mais je peux le faire avec le microphone de mon dieu. Voilà, comme ça, ça rattrape. Oh. J'aime bien moi les skins de la peau bleue là. Ah, pas mal, pas mal. Merci pour le sub. Sub, non, sub. Sample. Oh putain, j'ai un skin à la Jilcy. Ressemble à Jilcy. C'est qui Jilcy? Ah c'est un mec qui fait GP Explorer par exemple. Oh. Moi bon, j'ai changé. Tu l'aimes pas? Alors bah on va déjà prendre de l'intel. Ah, je vais prendre mes jumelles moi, j'en ai marre. Je vais faire tout de loin. Qu'est-ce que ah c'est ouais, ça? Putain les jumelles. Ouais mais faut que j'y pense moi aussi. Même les coffres et tout, et les portes, je crois. Putain, j'ai rien, j'ai pas d'antenne du tout, là, pour le moment. J'ai l'impression de passer ma vie dans ce genre d'événement, un après l'autre, à tout jamais. Merci pour lire multi-switch, Gizou. Oh, merci, merci. Non, j'ai pas d'intel, je n'arrive pas. Vraiment, il m'en faut, là, j'ai zéro. Je peux juste rien faire. J'ai un intel. Ah, c'est ouf. Partout où je vais, c'est déjà pris. C'est pas... Oui, ça, c'est un joueur, ça. J'ai vu un joueur, ok. Et ben, pour le moment, de toute façon, je vais le laisser. Je n'ai rien à péter. J'ai la clé. Genre devant toi, ouais, mais je vais. Ah non, j'ai pas la clé verte. C'est-à-dire que quelqu'un est passé il y a pas longtemps. C'est en ok. Que neuf. Oh putain, j'ai utilisé de l'intel pour rien, j'ai pas fait exprès, j'ai mis ce clic. Jax, tiens, prends ce qu'il y a dans le coffre blanc là. Ici. Oh, ils font les objectifs très vite. Cette tenue est pour quoi, le moins inadaptée. Je viens de scanner. Ah. Ah, ah c'est toi. Oh, ah putain, okay. Et du coup on a du coup vous infos. Êtes où? Est-ce qu'on teste l'objectif D? Let's go. Même si... Ah bah non, on teste rien du tout et on va attendre de savoir où est la porte. Je crois que c'est en bas. On va attendre de savoir où c'est. Où est-ce qu'on va là? Bah on attend de savoir où est la... Voilà. Il est temps de voir ce qui se passe derrière la scène. Bah si vous voulez... Aïe, je me fais tirer dessus. Ah merde, j'arrive. Elle est morte? Ah, c'était un faux. Enfin attends, ah, c'était une vraie mais... Elle s'est évadée avec un autre perso. Je peux pas vous dire à quoi il ressemblait. Et quitte.
Je l'ai. Mais vous avez vu ces godasses? Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. On peut te reste vraiment d'assez loin et je me suis quand même fait repérer alors que j'étais loin. C'est trop dur. Ah c'est dur hein. Nouvel article débloqué. Ah, ça il faut bien viser. Bah non mais c'est que là en fait je ne bougeais pas. Je me suis fait tirer dessus en ne bougeant pas et en étant en civil. Genre au bout d'un moment quoi. C'est surtout que si tu te fais repérer dans ton dos alors que tu bouges pas, c'est compliqué. Là, moi, je veux bien avoir de la IM, mais disons que déjà, le temps de réagir, j'ai déjà perdu beaucoup de vie, quoi. Sachant que mon perso, en plus, il est plus dans la furtivité. T'as envie de changer, je pense. Non, mais je m'étais changé vachement avant. Ouais, peut-être. Mais bon, fallait vraiment que j'ai un perso lambda, parce que si j'y allais avec un perso bleu, je me faisais repérer. Quoi que j'avais. Attends, je sais plus. Bref, j'ai changé de perso en me disant je me ferais moins repérer, bah ça a pas marché. Tu laisses une trace au sol à chaque changement de couverture. Ah, c'est ça la trace bleue! Putain, mais c'est nouveau ça, non? C'était presque trop facile. Okay. Du coup, faut se changer à un endroit où il n'y a pas trop de passages. Ok. Ok, merci beaucoup pour l'info. Waouh! Ah, c'est technique, hein? Un petit peu. Tu laisses des traces. Oui, bah désolé de laisser des traces. Excusez-moi d'exister, hein! Excusez-moi de vivre. Excusez-moi. J'ai pas demandé la clé au Diablo 4. Je sais pas si ça m'intéresse de le faire. Oh bah, de toute façon, disons qu'ils ont des caractéristiques, quoi. Ils ont des critères. Mmh. Oh oui. Ouais, mais... Non, je sais pas si j'ai envie de faire ça. C'est... Apparemment, c'est 100 viewers de moyenne sur les 6 derniers mois. Oh bah, j'ai rien du tout, moi. Après, étant partenaire, t'auras peut-être moins d'exigences. Enfin, il y a peut-être moins d'exigences que si... Oh, je sais pas, parce que hier, j'ai tapé un stream avec 5 viewers. Ouais, mais c'est Zera qui a fait un tweet en disant... On passait de tout à rien. Mais oui, parce qu'avant, en fait, Blizzard choisissait avec qui il faisait... Enfin, voilà, ils choisissaient eux-mêmes le créateur de contenu. Ça tire voulait, déjà Bah ouais, ça arrive. Hein. Il y en a qui sont déjà fait repérer. Ah oui, il y en a qui. Ah oui, effectivement, ils sont, oui. Ils sont deux en bas, ouais. Ouais. Non, mais on va les laisser. Hein. Mais avant Blizzard, voilà, ils avaient que très très peu de partenaires avec des créateurs de contenu. Ils les choisissaient, c'était des gens bien précis et tout. Alors que là, ils sont un peu en mode allez, si vous avez les critères, venez, prenez, on vous donne la clé. Parce que, bah en fait, ils veulent toucher des gens. Ils veulent toucher d'autres gens, en fait. Ils veulent toucher des gens qui n'ont pas déjà préco le jeu. Ils veulent toucher des gens. Après, qui, moi, Diablo, je sais pas si ça me donne très envie, franchement. Ouais, moi, j'aime beaucoup, moi. Je trouve ça cool. Je trouve ça très défouloir en fait, Diablo. Non, c'est bien, c'est juste que je n'y jouerai pas souvent. Oui, bah après, faut aimer les hack'n slash quoi, hein. Ça c'est clair que... Et bon, après hier, j'ai vraiment pas streamé, non pas parce que j'avais deux viewers, mais parce que vraiment j'avais un petit souci perso quoi. Ah oh, oui, bah t'inquiète pas, tu... Ça arrive, hein. Bah ouais, hein. Alors, mon copain, il était malade, je sais pas, on a pas compris ce qui s'est passé. On va où? Je sais pas, mais là, il y a un... Vous avez essayé des... Non, pas encore. Je voulais juste, mais j'ai l'impression vraiment qu'il... Soit c'est un PNJ qui bug, c'est peut-être ça. Peut-être un PNJ qui bug, soit c'était un joueur qui était tout... qui avait l'air isolé. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que je tenterai pas? Mais non. Ouais, D, alors, t'es là-bas. J'ai l'impression qu'il y a rien dedans, hein, par contre. Ah oui, c'est un scanner. Il vient de scanner, je suis pas sûr. Ah ouais, bah on fait... Attends. C, alors? Je sais pas, je cherche, je sais pas où est. Ça tire pas loin de moi. C, c'est au-dessus, faudra prendre l'escalier. Ouais. Mais t'es à côté. Ouais, on va, vas-y, on tente le C. C'est un PNJ? Finesse, tu les reconnais, le bois? Ah là là. Donc le bois, c'est une personne de chez toi, d'accord. De quoi? Qui est passé chez moi aussi. Moi, j'avais une personne qui s'appelle le bois et j'avais pas reconnu le pseudonyme. Et oui, bah oui, je pense que c'est quelqu'un qui connaît bien d'ici et qui, du coup, nous a follow tous les trois pour nous suivre dans notre gameplay. Ouais, mais moi, ça me disait pas que c'était le premier message.
Mais je me demande si on n'a pas, si on n'a pas déjà vu le bois quand on était sur du Dissive justement. Il y a un petit moment maintenant, quand le jeu est sorti, quoi. Je suis sûr. T'as scanné ? Pas loin, c'est moi qui ai scanné, j'ai pas l'impression. Je sais pas. Ah, oula, ça c'est complètement un joueur, mais. On va laisser. Quoi qu'il avait l'air solo, mais c'est risqué, puisqu'à chaque fois. Du coup, c'est risqué. Alors, c'est ici, c'est. Est-ce que vous avez une clé bleue ? Alors, est-ce que les PNJ peuvent courir sans aucune raison ? Ouais. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Des fois, ils courent longtemps. Et du coup, t'es là, what the fuck ? Rien ici. J'ai aucune clé en fait. J'ai pas de clé bleue non plus, mais je vais peut-être bientôt avoir un set d'intel. Pas du tout en fait, hein. je suis loin en intel. Il nous faut 5 d'intel pour rentrer. C'est pas D. Je suis à 10 d'intel. Mais pourquoi c'est passé ? Oui. Ah, t'as 10 d'intel ? Ah, bah let's go. Ah, t'es rentré dans la pièce ? Oui. Ah, d'accord, je savais pas. Ah, c'est ça, c'est pour ça en fait. Ok. Et eh bah si c'est pas dans C. Bah on a B ou on a E. Il me faut de l'intel. C'est du loot, ouais, c'est du loot, mais. J'ai envie du dessus. Et en fait, tu sais que je change tout le temps de jeu, donc je sais pas. Je me dirige vers B. Ok, j'ai enfin un peu d'intel. Je sais pas si j'ai une équipe devant moi. Je vais te rejoindre. Je suis pas certaine. Hein. Je monte en B aussi. Mm-hmm. Je pense que ça, c'était un joueur. En bleu qui vient de passer, là. Ouais, qui a couru. C'est possible. Ouais. J'entends une clé, j'aimerais bien qu'on la prenne. Est-ce qu'on peut ouvrir avec les jumelles ? Ouais. Oh ! Il va sur A, le mec que je suspecte. Par contre, j'ai plus là. Salut Argosax ! J'espère que ça va. Encore désolé hein, pour le viewer d'hier qui est arrivé chez vous. Bon, j'ouvre la porte. Ouais. Borne de voûte localisée. Je vais t'ouvrir la porte. Borne de voûte localisée. Donc là où je suis, il y a une borne de voûte, ça veut dire ? Oh ! Aïe ! J'ai tenté. Ah, moi aussi. Ah, ils nous ont suivis de très près, malheureusement. Ça se voyait qu'il y avait du monde, mais bon, il n'y avait plus qu'un objectif à faire, quoi. Donc, fallait le tenter. Je me disais qu'on aurait peut-être le temps. Malheureusement, on n'a pas le temps. Vous savez à quoi ils ressemblent ? Bah, c'est des gardes bleus. Ils auront tous, de toute façon, vu que là c'est dans la pièce où tu peux pas rentrer si t'es pas en garde bleu, ils vont tous avoir ce skin de gros bleu, balèze. C'est ça ? Ouais, les gardes, ouais. Ouais. On est dans une pièce où tu peux pas rentrer si t'es pas un garde. Enfin, tu peux rentrer, mais tu sais tirer dessus, quoi. Mais je pense qu'une fois sortis, ils vont se mettre en civil. Ou alors, ils vont rester pour essayer de te shooter. Mais ça, je pourrais pas te dire. Quoique maintenant, il y a l'objectif à faire, donc peut-être qu'ils vont partir. On voit plus nos cadavres, c'est dommage. Quand est-ce qu'ils sortent là, putain ? Ah, tu les vois ? Bah non, mais techniquement, vous êtes dans une pièce.
Ouais, ouais, mais nous, on peut pas savoir s'ils sont sortis ou pas. Ça nous met automatiquement sur, ouais, ta, sur ton point de vue. Donc, ça se trouve, je pense qu'ils sont sortis. Enfin, je pense, j'en sais rien. On va aller voir. C'est quoi ce doun doun déjà? C'est mon radar. Il me dit peut-être qu'il y a un ennemi. Ah d'accord. Mais j'ai 8 points là, non? Putain. Ah oh, putain, il va me buter. Vous ne pouvez pas vous cacher, je suis bien trop futé. Salut Bloody. J'ai le capteur au sol qui enlève la couverture du joueur et là la position du joueur à tous les jours de la map. Bah, il fait rien ou quoi là? Wow. D'accord, il y a un gadget qui t'enlève ta couverture et qui donne ta position à attends, tous les mais... joueurs de la map. Je comprends pas là, je vous réa ou je vous réa pas? Bah oui, regarde, je... mais il faut que tu restes appuyé. Ah mais il y en a un que j'avais réa là, il y a deux bah ans. Bah oui, là, il... c'est Jokes, il est debout. Aïe. Mais l'autre, qu'est-ce qui était par terre là? Comme ça, l'autre, bah t'es... moi je t'ai vu reste qu'une personne. Oh putain. Oh, merci le bois, merci. C'est compliqué. Oh la vache. Petite détox des écrans, comment on peut faire une détox des écrans? Bah c'est en regardant plus d'écran, ou alors éteint. Ah non, l'écran c'est la vie. Petite vacances aux Maldives là, et une bonne détox des écrans. En plus c'est simple, très accessible. Donc, bonjour, ça va? Bah écoute, on se fait soulever, mais sinon ça va. Ça, vos alliés peuvent être encore en vie. Bah non, ils sont pas en vie. Faut faire jouer? Faut faire retour au menu? Bah je fais retour au menu parce que je sais pas, ça veut pas me quitter. J'ai fait retour au menu. Rafraîchissez-moi la mémoire. Qu'est-ce que je tire de tout ça, moi? Est-ce que j'étais un autre perso? Un K1. Ah bah non, j'étais resté surjoué. Peut-être que j'en teste un qui a un peu plus de dégâts parce que sa petite péteuse là, elle est pas mal, mais... Là, je suis obligée vraiment de faire un chargeur ennemi si je vise pas la tête, quoi. Bon, en fait, deux chargeurs. Déployer. Donc là, tu racontes quoi de beau, petit Bloody? À l'aide, comment ça, à l'aide? Parce que j'étais à terre, c'est ça? Je fais ce que je peux. Moi je suis nul, mais j'essaye de m'améliorer. Déployer. Je suis en train de réanalyser message audio là, je vois pas à quel moment. Hein? Réanalyser un message audio? Oui, non, attendez, faut que je mute parce que j'arrive pas à savoir quand c'est du direct et quand c'est du indirect. Oui, j'analyse un. Apparemment, j'ai dit une bêtise. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que j'aurais pu éventuellement dire. Comment ça? On te troll, ouais. Non, je sais pas. Info chat. Pas l'écouter, ce truc-là. Non, je sais pas. Si j'offusque quelqu'un, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que j'ai dit, parce que, en tout cas, c'était pas dans mon intention, quoi. Allez, je ressemble à Angela Merkel. Ouais, grande femme, hein. Moi je ressemble à DSK mais avec une moustache. Ouais, je suis pas les non, cheveux moi gris. Je. Ça va. Moi je vais me déguiser en. Comment elle s'appelle? Charme habituel. Ah, celle de la petite dans Scooby-Doo là. Vulma? Velma. Velma, ouais, je peux pas. Je sais plus. C'est quoi ce jeu? Faut faire quoi? Alors, petit résumé, si c'est pas
Il y a plein de petites... Il y a plein de petites nuances. En gros, on est par équipe de 3. En PVP, il y a, je crois, 4 équipes qui s'affrontent sur la map. Bulma, merci. Vera. Ah non, Vera. On sait pas, personne ne sait. Putain, mais Scooby-Doo, moi, je connais pas. C'est Vera, la petite. Bulma, c'est la grande. Bulma, c'est qui? Il y a deux nanas, et t'en as une qui est un Après, petit peu une bimbo. Après, c'est les noms étrangers, non? C'est ça. Je sais pas, c'est pas le nom français, peut-être. Non, c'est qu'il y a d'autres... Bulma, c'est Dragon Ball. Ah, merde. sorry. Scooby-Doo, c'est Vera. Oui, pardon. Excusez-moi. En gros, je réitère. Sur cette map, on a plusieurs objectifs à faire. On a 3 objectifs à faire. C'est désactiver les bandes de voûte. Vous le voyez ça en haut à gauche. Attendez, je vais décaler l'overlay Discord. Voilà, vous voyez ça en haut à gauche. En faisant ces trois objectifs-là, ça nous permet de déverrouiller une porte qui nous donne accès à toute une zone verrouillée, si on fait pas ça, qui contient un objet qu'on doit voler avec lequel on doit s'échapper. Aïe, je me fais... Ah, putain. Mais voilà, on s'affronte. Oui, c'est une femme très grande, mince. Ouais, je la vois. Ouais, bah c'est elle qui me tire dessus. Ah, elle est morte. Vas-y, viens, on l'a déchiré. Là, putain. Ah, c'est bon, elle est morte. J'ai eu peur. Qu'est-ce qui tire? Le deuxième qui tire, c'est qui? Oh, c'est un... Un garde. Les gardes, ils nous tirent dessus si on tire. Ok, GG. Elle va être reste probablement. Mais de toute façon, j'ai pas de vie. Éblouissant. Je me fais buter par... Je sais pas. Loin des yeux, loin du cœur. Le bonhomme en vert, peut-être? À ta gauche? Ouais. Oh, merde! Un bonhomme blanc avec des pantalons blancs. J'ai mis ma tourelle violette. Pour pouvoir Elle est devenue bleue. Il est devenu vert. Ouais, ils sont en 3, laisse tomber. Laissez-moi faire ma petite blague, bande de poucaves. Ah, mais c'est toi qui as fait exprès de dire un mauvais nom, putain. Bon, bref, attendez, je me mute pour leur expliquer. Et du coup, avant, voilà, le but c'est de faire ses objectifs avant de mourir. Les objectifs sont communs. Parce que bah, le but c'est d'ouvrir une pièce où il y a quelque chose qui est caché qu'on doit voler. On est des espions, voleurs, machin. Mais les autres équipes peuvent très bien faire les objectifs. Et au bout d'un moment, la porte s'ouvre. Le truc, c'est qu'on a moins d'XP si on fait pas des objectifs, évidemment. Ah non. Et surtout, on risque de mourir avant d'atteindre le moment où enfin on va pouvoir s'échapper avec l'objet, parce qu'en fait, on se fait tirer dessus par tout le monde. Et en gros, le principe du jeu, ça va être d'être... la base du jeu, ça va être qu'on va être déguisé en PNJ. Et en étant déguisé en PNJ, et ben, on doit essayer de pas se faire opérer par les autres équipes qui sont aussi déguisées en PNJ. Voilà. Et on a différents types d'armes ou de gadgets selon le perso qu'on a pris ou les gadgets qu'on a choisi. Pour parvenir à cette fin qui est de voler ce fameux objet. Dans chaque map, il y a un objet à voler, il faut s'échapper avec. Mais jusqu'à ce qu'on se soit échappé, on peut se faire buter. Ça a l'air fun, ouais c'est fun, mais c'est... pas facile. Ah c'est pas facile. Ah c'est pas facile. Mais là on n'arrive jamais à terminer une map en fait. Genre les gens ils nous repèrent beaucoup trop facilement et tirent très vite. Genre on s'est pas baissé la garde. C'est fou. Je fais jouer depuis tout à l'heure mais ça marche pas. Ah si c'est bon. T'as pas l'air de marcher non plus moi. Vous avez tous fait jouer, faut peut-être qu'on le fasse tous. Ou alors si vous avez fait retourne au menu, bah on fait tous retourne au menu. Bah retourne au menu. Oh. Ça marche, j'ai fait retourne au menu aussi. Ah ça, c'est vrai. Ah bah du coup j'ai fait retourner au menu, moi ça nous a mis dans une game en fait, je comprends. Ouais. Bah là je suis avec toi, mais j'ai pas Diox avec nous. T'es avec moi? T'es avec nous Diox? Ah, y'a Lila qui déploie. Ouais, je suis là. Tu es déployé? Je suis déployé. Oh bah si t'es déployé. Hein. Oh la dame, elle a en tutu. Elle a pas de tutu, mais c'est une ballerine. J'ai le chat qui s'installe sur les genoux. Ça c'est bien ça. Oh le chat minou, ça me manque tellement les... Salut Fire. Passe 20 secondes pour t'asseoir, pour te coucher le chat. Professionnel. Allez, tu pliais pas. Ok, merci, vous allez gérer. Bon, moi j'ai envie de dire, à chaque fois on se fait avoir. Donc, même si on croise un joueur, on est en mode chill. Je pense que, sauf exception, faut pas les attaquer, les joueurs. Et je pense que
il faut qu'on reste vraiment ensemble tout le temps. Parce qu'à chaque fois, on est souvent deux contre trois. Parce qu'il y en a un qui est un petit peu à l'écart et tout. Les games se passent bien, nickel. Grave. Bah, n'a fait que win à peu près. Ici. J'adore me promener dans cet endroit. Les doublages sont québécois, ça s'entend. Voilà. La traduction est québécoise aussi. Ouais, hein. ça. Oui, la traduction aussi est québécoise. Toi, le truc, c'est qu'on reste ensemble, mais toi, ce que tu lootes, ça me l'enlève pour moi. Donc en fait, pour avoir des intels, on est dans la merde si on reste. Ouais, qu'on se répartisse en fait. Là, par exemple, là, je te laisse celui-là. Et moi, je prends celui-là. Bah, de la Jux, parce que je suis partie juste au-dessus voir si j'en trouve. Il faut qu'on reste proche. Parce que sinon. Sinon, en fait, on a trop vite fait. Ok, je peux revenir vers vous, je vais en avoir pas mal. Ah, bah là où je suis, il y a deux intels. J'en prends un et je vous laisse l'autre. Rien du tout, il était temps. Bah là où je suis. Moi, j'ai 5 au total. Le propriétaire des livres. Non, en fait, on est totalement éloignés les uns des autres. Du coup. Ouais. Non, je reviens. Ah, là je vais peut-être prendre une petite amélioration. Bon, c'est une de base. Hein. Ok. Oh, de l'intel. J'ai pris. Sorry. De toute façon, après, au début, au pire, on peut faire en sorte que tout le. Que genre une personne se focus des intels, puis après une autre, ou voilà quoi. Ça peut être une strat aussi. Est-ce que vous avez un objectif intel de préférence? T'es full intel, ok. Est-ce que le A, éventuellement, ça vous semble bien? Il semble un peu isolé des autres. Quoique, le A, il est où le A? Il est okay. Vers les jardins. Oh putain, j'entends tirer vers le A, je crois. Peut-être pas. Abort the mission. Le D. Je scanne. Ah oui. Ça, c'est un joueur, je pense. Ah, je sais pas. T'es full intel, Lox? Non, je suis. Il y avait à... un tiroir, j'ai cru qu'il y en avait dedans. À 5. Ouais, c'est possible, je regardais des joueurs. J'ai un joueur devant moi. Ouais, t'es où? T'es loin de nous? Où il est? Je le vois pas. Je suis. En direction du D. Moi j'y suis. Donc je vous attends. Je suis sous vous en fait. T'es en dessous de nous? Aucun. Ouais. Je monte. Oh, cette tenue est pour le moins... Je suis à 7 en intel. Inadaptée. Ok, et ben je passe la porte. J'ai passé la porte. Elle est ouverte pour nous? Ouais, elle est ouverte. Attends, je peux vous l'ouvrir plutôt. Merci. Attends, je l'ouvre. Je peux pas spammer. Je suis où là? Ah, t'es pas transformé? Putain, mais je suis en train de me coller au mec pour me transformer, ça se transforme pas. Ouais, pareil. C'est bon. Ça, ce n'est plus mon problème. Ah, il faut 8 intels. Bon, ça marche. Je bois mon café plus vite que ça. Je suis à 7, hein. Je suis à 10, je peux l'ouvrir. Donc, let's go. Je l'ouvre là. Donc je peux rien faire d'autre pour le moment vu que c'est un petit peu long. Vous avez réussi à localiser une borne de voûte. On a localisé une borne de voûte. Attendez, je vous ouvre la porte. On a une borne de voûte ici. Venez. C'est qui ça? Oh, c'est le patron. Oh, c'est marrant. Place ici pour quelqu'un dans votre genre. Qui lui arrive lui là? C'est quoi cette nouvelle couve? Trop stylé. Est-ce que quelqu'un veut l'amélioration dorée? Vas-y, fais le feu. Est-ce que quelqu'un a besoin de 3 intels? Non. Bah moi je peux parce que je les ai utilisés donc... Il y a des intels partout là où t'es là. Voilà. Je te les laisse alors. Ah bah merci hein. Ok, bon on a fait un objectif, c'est le premier depuis le début. Rétrocer. Donc bravo à nous. Il y a de l'intel encore. Ouais, je fouille un peu, je prends des balles parce que j'ai tiré sur le mob vu qu'il était en train de me menacer. Je sais pas si vous devriez rester comme ça parce que je pense que c'est le skin qu'on trouve que ici. Du coup, ça voudra dire que vous êtes complètement des joueurs. C'est pas faux ça. Ah, j'entends une clé. C'est moi qui. J'ai une clé bleue. Il y a des munes sur Gilo. Ouais, j'en deux ai pris. Deux fois des munes. C'est bon, c'est bon. Moi, je suis full, je crois. Attends.
Bah non, voilà, je suis plus full. Ok, bon, on a fait un objectif, c'est bien. Je suis full, hein. Il y en a encore deux à faire. C'est là que c'est la meilleure. Ça tirait vers le A, et si c'est rien passé, c'est peut-être que c'était pas un objectif. Peut-être le E. On n'est pas super loin. Qui ce mec là, qui court là? Ouais, il m'a paru bizarre aussi. Vous voulez qu'on le focus? Faire travailler quelqu'un d'autre à sa place, c'est inacceptable. Il est en train de se diriger vers B, c'est un monsieur avec une canne. Bon bah on va peut-être rejoindre Gilo alors. Je me change au milieu de tout le monde. Peut-être fausse alerte, il est en train de se rediriger vers vous. Le monsieur avec la canne. Ici, il s'est assis sur une chaise. En tout cas ça tire. Je crois. Ouais, des fois ça met du temps. Il se dirige vers vous. C'est peut-être une fausse alerte. J'ai entendu des tirs peut-être nord, je suis pas certaine. Oui, j'ai cru entendre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se focus peut-être sur l'objectif E parce qu'il est un peu isolé? Let's go, on va E. On va E, ça marche. N'oubliez pas qu'il faudra avoir au moins une tenue de garde qu'on puisse échanger. Moi je me suis repris en... Je le suis. J'ai l'impression monte les escaliers en première. Ah oui, vous êtes tous les deux, nickel. Bon, c'est bien. On est ensemble. Il est où déjà? J'ai oublié. Ah oui, eux. Il y a de la vie sur Gilo. Ouais, je suis à côté de toi. Je scanne. Ok, de la bouffe, des munes. Ah mais le E, il est loin, dis donc. Est-ce qu'on passe par l'étage ou par le sous-sol? L'étage. Ah ouais, l'étage, ouais. Ça doit être plutôt par là, ouais. Celui-là et celui qui réverbe, c'est vraiment les deux meilleurs. Ok. Jox, t'as besoin d'entrer? Ah oui. J'avoue, je suis passé, je te. C'est bon. Ah merde. Il me tire dessus. Il parce tire. Que je suis. Bah parce que je t'ai pas changé, j'ai oublié. Je l'ai dit qu'il fallait que je me change et je l'ai pas fait. Ah merde. Mon chien me tire dessus là. Je me tire. Excusez-moi, il me tire dessus. Suivez. Elle est tout à vous. Je peux pas. J'ai la dernière. Ah. Bah allez-y. C'est bon. Je vois. On oublie le contenu. Viens, Lox. On mise sur le contenu. C'est bon. Vous voulez ouvrir, Jox? Ouais, je joue. Je suis là. Cette bande de vous a été désactivée par des experts. Ok. Et deux objectifs. Bah nickel. Et du coup, là, ça va être le moment où on va devoir voler des trucs. Il y a de l'intel en haut. Alors, je suis full. Ouais. C'est en vie. Je regarde s'il y a encore un petit peu de bouffe. Voûte ouverte. Ok. Bon, bah, let's go, hein. On va. Mauvaise couverture. En 13, c'est nord. Ah ouais, je la vois pas, ouais. Non. Je vois les autres. Ah oui, si, c'est bon. Oh les boss, t'as vu un peu? Ah, ce que je suis, Lox, ouais. Ouais. J'ai sauté, c'est là. Un peu risqué. Et est? Ouais, je sautais aussi. Je vais me prendre une tenue de pas de garde. J'ai sauté aussi. Sinon on est trop en garde et ils savent tout de suite qui on est. Enfin quoi? Là c'est, ça se tire. Aïe. Ils sont deux derrière. Dessus. Oh non, j'allais faire F, putain. Ah, ils nous ont repéré de dos. J'avoue, on a un peu couru. Ah dommage. Ah, on avait fait beaucoup de travail. Ils nous ont peut-être laissé faire tout le taf pour pouvoir faire ça à la fin. C'est possible. Comme ça que ça se passe dans le privé. Oh, femme fatale. Elle ressemble à Rihanna. Un peu, ouais. Oh, on était si proche de la victoire. Un père bouclier. Ah, oh, j'ai un article débloqué. Jour pluvieux, qu'est-ce que c'est ça? Agent. Nouvel article débloqué, agent. Comment ça, agent? J'ai débloqué un agent? J'ai de l'agent? Attendez, je retourne au menu, j'ai débloqué les trucs. Zane. Pardon. C'était évident. Pas de soucis. Oh, j'ai un butting! Attendez, j'ouvre mon butting. Oh, j'ai un butting aussi. Ah, incroyable. Ouais, j'ai mis un truc qui fait qu'on a plus d'XP. Oh, c'est beau ça! Allez, je vais même le mettre. What is it? Costume hors du commun. Ouais. Pause d'intro et une pause toilette. Quoi? Pause.
a l'air bien. Alors vachement bien. Comment ça, agent débloqué? Mais j'ai les mêmes que d'hab, je comprends pas. Ah ouais, je peux mettre des chiottes. En guise de photo de... En guise de photo de... Ah trop bien. C'est bien ça. Ah je suis content. T'es content? Et le skin? Le mec, il a mis des chiottes en image, un emoji personnalisé là, en photo de profil. Putain la chance. Moi j'ai pas les chiottes hein. Mes compétences. Pourquoi je vois pas mon skin que j'ai débloqué. Laissez-moi vous montrer. Non, je suis peut-être teubé. C'est un seul truc. Allez, je teste. Ils verront rouge bien assez tôt. Ils verront rouge. Oh, trop beau. Attends, Locke, c'est quoi ce skin? Pourquoi t'as eu ce skin, en fait? Non, c'est que je regardais les skins qu'elle avait. Ah, parce que là, on voit le skin que avec la fourrure et tout. Ah bah ça, c'est le perso de base. Elle est comme ça. Ah. Je l'ai acheté, je veux Jock. Ah ouais, t'as tes chiottes. Jock, ça, les chiottes. Ouais, j'ai des chiottes. Pour un joueur à chier. On progresse, moi je trouve. Le problème, c'est que bah les seules personnes qui jouent encore au jeu, c'est des gens qui ont tryhard de fou, alors c'est compliqué. Moi j'ai un taureau qui brille. Parce que je fonce souvent dans le tas. Pas mal hein. Opération Espadon. Espadon. Alors, je vais tester ce personnage nouveau. Ok. Ok. Ensuite, si je fais F sur toi. Ah, c'est un charme de zone et vous pouvez pas me tirer dessus du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh, j'ai l'impression. Ok, I've got a charme de zone. Et mince, j'ai pas du tout le bon objet. Bon, remarque, j'ai ça en objet. Jox, viens me voir. Je demande ton cousin. Viens me voir. Et où? À l'étage. Ouais. Regarde, il y a ton cousin. Waouh! Le chiot d'or! Waouh! Moi aussi, je vais voir les chiottes d'or! Ah ouais! Vas-y, monte sur le trône! C'est une cuvette Louis Vuitton! Le chiot d'or! Rien grâce à ces chiottes, ton caca il prend au moins 2000 balles à la revente. Ah bah, et tu le revends, t'en fais des NFT hein! Des NFT de toilettes, pas sûr. Ah pas. Non, on parlait même de ce qu'il y a dedans, tu vois. Ah, je me suis coincé. Bientôt disponible sur la boutique de Lox, les NFT de ses propres... On m'avait proposé une fois de participer à une course de... À une soirée Mario Kart avec... en lien avec des NFT. J'avais rien compris. Quel enfer. Mais je lui avais dit que je bossais déjà sur des NFT de cul d'Albatros, du coup j'étais overbooké. Il n'existe pas un café à base d'étrons d'animal? D'un animal, il y en a plusieurs, il y a ceux de... Alors il y a ceux de... Le café broyé... Ceux d'éléphant, je crois, et ceux de... Effectivement, les petites... des lemmings, pas des lemmings, mais des petites bestioles comme ça, genre suricates ou je sais plus quoi. Des bestioles qui sont des suricates. Les suricates. En fait, c'est qu'il y a des, il y a du café, le café le plus cher, les cafés les plus chers, c'est des cafés faits à base d'excréments d'animaux. Parce qu'en fait, ces animaux mangent en fait graines de café. Et du coup, lors d'éjection, tu peux en faire du café. Derrière. Sauf qu'à la base, c'était un café que des, les personnes qui bossaient dans les champs de, dans les champs, et ben prenaient parce qu'ils n'avaient pas le droit de prendre le café pour de vrai. Ils n'avaient pas le droit de toucher aux graines de café, aux grains de café. Du coup, bah, ils pouvaient que se faire du café à base d'excréments d'animaux. Okay. Et du coup, bah, c'est devenu en fait un truc super, super à la mode et tout. Et du coup, maintenant, des animaux sont exploités juste pour ça. Alors que c'est un café absolument dégueulasse. Voilà, voilà la conclusion. Conclusion, les gens sont des tarés.
à savoir que je ne bois pas de café, donc en fait... Moi non plus. Ok. Pas, de toute façon, j'en bois pas. Mais voilà, je bois encore non plus moins celui-là. Non. Chez moi, mon copain non plus, on boit pas de café. Ah. Team chocolat frais. À quelle lettre, là? Je prends du... tu as goûté le café? Ah non, mais c'est du café de déjection. C'est dégueulasse. Je vous le garantis. Salut Roi Ours, mais moi je trouve tous les cafés dégueulasses, donc je peux pas en parler. J'avoue, c'est peut-être pas la meilleure personne qui en parle. Ah, j'ai une carte verte, ça pourrait aider. Je trouve jamais la bleue. Ok. Alors, je suis pas loin... Moi, je suis direction D. Ouais, j'ai vu qu'on était pas loin du D. Sauf peut-être Jox qui est un peu plus éloigné, donc ça pourrait être pas mal d'aller ouais, dans mais le D. Je reviens, je suis à 80 mètres. Mince, je me suis trompée. Sécurité. Ouh, il est en train de m'engueuler. Vite, prenez-le. Ouais, je prends. Oh, what the fuck, ils sont deux. Une femme et un monsieur. Oh là là. Mais oui, je me suis changée devant, mais je voulais pas me changer, je voulais m'asseoir sur une chaise qui était à côté. Ça m'a fait me changer, merde. Le cacafé. Mais je crois qu'on m'avait dit qu'il existait aussi du café des troncs d'éléphant, non? Quelqu'un pourrait m'aider, s'il vous plaît. C'est pas... Ils ressemblent à quoi les méchants? Fou, merde, putain. Je sais pas. Je me suis trompé de touche. Ah oui, toi. Oh, tu te fais marave par tous les... Oh, ça c'est... Bah ça c'est foutu, là. Bah voilà, c'est... Ouais, on a tous les deux misclics, c'était mal bas. Aïe. Déjà, quand tu bois du café, t'as pas une haleine fraîche, alors boire du café au caca. Oh putain, tu fais mal. Oh, j'avoue. Quoi? Quand tu bois du café, t'as pas l'haleine fraîche, alors boire du café au caca. Mon nom est Red. Ah. Ouais, wow. C'est vrai que oui, hein, l'haleine de café, c'est pas ça. Pas ouf. Ah, vaut mieux une haleine de café qu'une haleine de caca. Hein. J'avoue. T'as choisi, hein. Un de café les plus chers du monde vendu dans les hôtels de luxe d'Asie à 1880$ le kilo, soit 1670€ environ. Les graines sont ramassées dans le nord de la Thaïlande sur des bouses d'éléphants. Oui, voilà, d'accord. Après un parcours dans le tube digestif de l'animal. Voilà. Nice. N'hésitez pas à nous parler de vos expériences de café à base de bouses d'éléphants. Ah bah super. Ah bah yes. Oh bah génial. Méthode thé, moi, tiens. Cette touche, elle m'emmerde, là. Neuf mode, là. Ouais, je suis d'accord, moi aussi, ouais. J'ai un sous. Bah, mais habille-toi moche. Beaucoup mieux. Parce que... T'as une touche, et que tu t'habilles moche, t'auras plus de touche. Bon. Oui. Ok. Ah, parce que moi j'ai un problème aussi, je suis pas gaucher comme toi Gilo, mais Ah oui, ça c'est un autre souci toi. J'ai un souci de doigt, donc moi ZQSD je ne peux pas. Souci de doigt et je regarde une pêche, qu'est-ce que je pense? À quoi je pense? Pardon, excusez-moi. Souci de doigt et tu regardes une pêche? Oh, finissez-moi maintenant. Il y avait une coque au téléphone pêche, et Gilo y avait tu veux doigter pêche des pêches maintenant? Changer Gilo depuis qu'elle traîne avec nous. Changer Gilo. Oh le. Bon, celle-là, c'est la win. Hein. Celle-là, c'est la win. Si c'est ça, vive dans le luxe, non merci. Oh. Oh, punaise. Hop là, allez. Oh putain, hey, j'ai un skin. Je loot. Je tout loot toujours. Tout loot. Ça fait. Je vais ouvrir un peu les tiroirs pour voir s'il y a des trucs dedans. Parce que j'ouvre jamais. Ah oui, il y a des trucs à pirater dans les tiroirs, c'est vrai. En vrai, tu te mets au balcon, t'arrives à se choper pas mal. Hein. Sésame, je suis un tel. Je suis à 9. J'ai une carte verte, même si on les ouvre pas beaucoup. Je suis full.
Dis un joueur ça, non? Il s'arrête devant tous les tiroirs, les gens, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on voit le tiroir s'ouvrir quand un joueur qui n'est pas nous ouvre? Tu vois un tiroir qui est déjà ouvert en gros, ouais. Ah ouais, non, bah non. Ça te va pas être je un joueur. Je suis full. Je suis full. Lox, on attend ton appel. Ah ouais, ouais, moi je suis pas full du tout. Le dé me paraît intéressant, ouais, je vais y aller. Du dé. J'ouvre le dé. Ok. N'ouvre pas le dé. Non, non, j'ai failli, mais de toute façon j'avais pas assez. Il faut par être contre, j'ai bleu. Pas le bonhomme. Ah, moi non plus. Bah attends. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Mais va faire en... Mais sérieux, mec. Attends, j'avais fini de le scanner en entier. Je vais chercher un gars en bleu, là, c'est lourd. Oh gros, montre-moi ton costard comme il est beau, je vais acheter le même. Riplox, mais non pas Rip. Mais c'est non bon. C'est bon. Merci. I'm inside. Ah ouais, j'arrive, je cours, je suis t'es là. T'es où toi? T'es laquelle? Ok, attends. Oui. Vas-y. Merci. T'as pas l'air trop moche. Tiens, Jux, viens. Sur l'autre part. Attends, il y a un mec qui a un bras cassé qui arrive. Faut que tu te transformes, sors. Ouais. Transforme-toi en moi. J'aurais pas voulu. Voilà. Ok. J'ai plus de intel là. J'en ai que... Allez, oh putain, j'en ai que deux. Bah ouais, t'es obligé parce que... Nous on est tous... On est dans la dèche. Vous avez réussi à le... Oh mince, la caméra. What the fuck? Ma caméra a sauté. Mais qu'est-ce qui se passe? Trop bizarre. Ok, j'enlève pour le moment. Excusez-moi. J'ai pris. Bon bah bande de voûte, let's go. Je le fais. On commence à sortir, pour pas qu'on soit tous dans la même salle d'un coup. Qu'on puisse protéger la personne qui déclenche. Je me retransforme. Borne de voûte désactivée. Continuez à faire du bon travail. Ok. Ah, c'est nous les experts. Ah c'est en nous. Face de... Aïe. Allié à terre. Quoi ça... Ah ouais, ok, il y en a un. Deux, ils sont deux. Juste un petit bisou. Tire Lox. Ouais. Faut que tu tires aussi. Ouais, ok. Bien joué. Ouais, mais c'est pas fini. J'ai plus de balles. Oh merde. Oh merde, j'ai plus de balles. 10 vers le haut. Dommage. Ah, dommage. 0 sur 0, fais chier. Bon, on a plus d'XP en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma caméra? Attendez, je fais retour au menu, je vais regarder très rapidement. Elle a trop chaud. Oh, c'est bizarre, on peut jamais ça. Bon, je vais voir. Retour au menu, désolé, je vous attendrai pas, j'arrive. J'arrive tout de suite, je vais regarder. Et je suis là pour m'amuser. Je me suis mis où? Ok, j'ai rallumé. Ça devrait être bon. Ah mince, j'aurais dû couper la VOD. Des bisous la VOD au fait. Parce que bon. Je leur ferai une quand on gagnera. Donc pas tout de suite, je pense.